De la houle en légère baisse et toujours du vent offshore en ce milieu de matinée sur la Canaro. Bonjour à toutes et à tous. En un temps qui devient enfin variable, normalement c'était prévu variable à dégager. On a eu du couvert ce matin avec de la pluie. Mais là c'est variable. La température extérieure est à 7, la température de l'eau est à un bon 15. Cet après-midi, temps variable à dégager, température à 8,8. La marée est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 14h15 avec des petites coefficients de 54. 54. Et sur cette marée qui descend, le vent est offshore plein est. Il est toujours faible à modéré. Il y a un beaufort établi, des rafales à 2. Le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses. La houle est propre. Elle est plus propre que ce matin. Toujours ce mix de houle courte à longue. 7 à 10 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest. Légère baisse par rapport à ce matin. 50-70 cm en déferlement régulier, 80 cm sur les séries qui rentrent fréquemment. Faut attendre un peu plus pour avoir le mètre encore sur les gros sets, mais qui est là. Toujours des vagues à la hauteur de la taille et du bassin, avec une barre qui est facile à franchir, des vagues qui sont pas sélectives, praticables pour tout le monde, qui valent la note de 3 sur 5, ça vaut plus que la moyenne. Il y a du monde à l'eau, ça surfe essentiellement sur les meilleurs bancs, pile poil en face du kayak. Il y a des bouts, il y a de quoi glisser, c'est du petit surf, tranquille, pépère. Voilà, il y a surtout la cano, il doit y avoir une trentaine de personnes à l'eau, c'est pas gavé, c'est un peu fresh, mais il y a des petites vagues propres. Bon, c'est pas la sainte, c'est pas la session de l'année, mais c'est du petit surf posé, tranquille, pépère, accessible pour tout le monde. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui devrait être en légère baisse. On voit les lignes de houle longues au large là-bas. Légère baisse à la mi-journée, ça devrait se maintenir ensuite. Toujours une tendance de vent faible plutôt offshore, indice de confiance faible pour le vent au niveau de la direction, pas de la force. La bouée du cap ferré est un peu à la baisse, elle est en moyenne à 1,10 m. La bouée Arcachon-Gascogne est à la baisse à 1,87 s. Et les prévisions donc à 13h, c'est légère baisse 50-80 cm. Houle ouest à ouest-nord-ouest, 7 à 10 secondes de période, vent prévu nord-nord-est, moins de 1 à voir, parce que là il est quand même bien est. Et à 17h, encore 50-80 cm, mais la houle devient dominante, longue à courte, 10 à 7 secondes de période, donc orientée ouest-nord-ouest à ouest, avec un vent qui est prévu est à moins de 1 beaufort, mais il y a du surf et de l'action toute la journée, à surveiller la fin de journée là, avec la houle qui va être dominante un peu plus longue, sur une marée qui monte et un vent plein est, il y aura de petites vagues assez propres a priori. Le prochain point, il est tout à l'heure.